tous, jour 12, on est au parc de la Tête d'Or. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous n'êtes pas de Lyon, peut-être pas. Si vous venez à Lyon un jour, je vous conseille vraiment de visiter ce parc qui est juste incroyable, gratuit, en plein centre de Lyon. Vous avez des animaux, de la végétation, voilà, les enfants ils adorent. Moi je venais ici quand j'étais tout petit, donc j'amène les enfants. Voilà, on n'est pas très souvent parce qu'on n'habite pas à côté, on n'habite pas Lyon même. On est à peu près 40 minutes. Mais aujourd'hui c'est après-midi au parc. Ce matin c'était repos tranquille à la maison. J'ai enfin fait une vraie nuit de sommeil, la première depuis longtemps. Aujourd'hui pas d'entraînement. Et ce soir je vais au Groupama Stadium voir le match de l'OL. C'est pour ça que j'ai déjà le maillot Lyon-Le Havre. J'espère que Lyon va enfin gagner. Honnêtement, je suis pas très confiant parce que c'est juste une catastrophe en ce moment. Mais bon. T'as dit que c'était quoi avec des cornes? Un buffle. Non, au début, t'as dit quoi? Un buffle. Non, t'as dit un taureau. C'est les filles, là je suis avec un gros qui prend toute la place dans la voiture, vous devinez qui c'est, et on va rejoindre des amis et puis on va au match tout simplement. Voilà, il est 19h et quelques, on va voir Lyon contre le Havre. Avant la Ligue 2. Ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas très confiant, même si c'est le Havre, parce que Lyon c'est un peu la cata en ce moment, mais peu importe, on va passer un bon moment. Ça fait longtemps d'ailleurs, la dernière fois que je suis allé au stade, qu'on est allé au stade, c'était ensemble. Ouais. Je suis pas retourné depuis. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir un match, donc voilà. C'était Lens, je crois. On a l'opportunité, donc on y va. Allez, let's go! On parle des deux épaules. Ah mais je vais laisser les muscles à la maison. Salut à tous, jour 13 des vlogs. Bon, comme vous voyez, c'est Anthony Vess, il a grossi un petit peu. Aujourd'hui, nouvelle salle, on est à Chazet d'Azergue, on va s'entraîner au Factory Ifs Gym pour une séance cuisse avec Anto et Seb. Donc, on va vous montrer ce qu'on va faire donc, en termes d'exercice, de technique, d'intensité. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better
stance, all ready for a fight. Believe me, when they try the chains, you can say no free. Like make a dream job, no 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep who feed, hurt it easy. Don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Prends bien le temps sur la descente et explose d'un coup en bas. Allez, prends le temps, bien descendre et boum. Allez, un poil plus bas si tu peux. Là, deux, trois, là. Allez, quatre, bien encore. Serre bien les abdos pour protéger ton dos. Cinq, voilà, serre les abdos. Très bien, six. Allez, arrache, allez. 7, encore gros, encore 3, tu peux. Encore 2, allez, arrache. Encore une. Yep. Très bien. Super. 1, bien. Parfait le tempo, parfait. 3, arrache juste un peu les abdos. 4, allez, bien. 5, encore. 6, bien. Allez gros, allez. 7, bien. 8, facile, jusqu'à 12. Allez, arrache. Allez, 9, ça passe, c'est bien. C'est ça. Encore 2, tu peux. Allez, gros, tu peux, je sais que tu peux. Allez. Allez, frérot, allez. Ouais. Allez, encore une, elle passe. T'as la force. Allez, gros, allez. Ouais, très bien. Bravo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Puis en plus avec Morgan et Seb, donc je voulais vous en faire profiter parce que je savais que ça allait être une séance avec des visuels, du contenu intéressant. On a été dans une nouvelle salle qui est assez proche de chez nous pour bénéficier de machines un peu plus intéressantes, notamment avec les problèmes de dos qu'on a Seb et moi et les différentes contraintes qu'on peut avoir. Donc on a commencé par le leg extension qui est un Nautilus, qui a un angle très intéressant, une flexion de genou qui est très intéressante, un siège plus en arrière. Seul bémol, les poids sont légers. C'est-à-dire qu'avec le max, toute la pile, on faisait 20 répétitions. Et vous l'avez vu, pourtant, on a une amplitude complète, un tempo qui est plutôt contrôlé, sans être lent, mais voilà, on ne fait pas rebondir, on n'explose pas. Donc voilà, on faisait 20 reps, donc on a fait 3 séries de 20 reps en plus des séries de chauffe. Au leg extension pour commencer. Ensuite, on est passé sur une presse très intéressante, une presse Larocque qui n'est pas à 45 mais à 60 avec un angle qui est vraiment sympa pour les quadriceps. On a rajouté les élastiques, bien sûr. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à aller voir mon tout dernier réel sur Instagram, sur mon Instagram AntoWes, pour comprendre pourquoi on a ajouté les élastiques. Donc ça rajoute beaucoup de tension. Morgan et Seb n'étaient pas habitués, ça choque tout de suite. Donc là, on a fait série de chauffe, puis 3 séries effectives en augmentant le poids, donc, dont la dernière vraiment lourde. On essaye de faire entre 12 reps la première, ensuite on approche des 10, puis on descend. Mais on a quand même fait 12 reps à la dernière série. Donc on était tout le long entre 12 et 15 reps. Voilà. Ça, c'est le format de base que je vous dis. Mais comme, en fait, quand je dis 8-10 reps, c'est le format de base qu'on prévoyait. Mais dans la pratique, après, nouvelle salle, nouvelle machine, on ne sait pas trop jauger les poids. Donc, on a réussi à faire 12 reps chacun avec tout le poids et les élastiques. Voilà. Sur une presse qui a un angle nouveau, donc un exercice qui change un peu. Bref, ensuite, on est passé sur Seb et moi du brignol squat à la poulie. Peut-être que c'est un exercice que vous ne connaissez pas. Gros avantage, aucune tension sur le dos. Deuxième avantage, tension continue avec les poulies qui permet vraiment une flexion de genou extraordinaire et ultra complète. Sans pression, sans danger sur le dos, et on recrute, ce qui permet de vraiment bien recruter les quadriceps. Petit bémol, on met déjà toute la plaque, c'est un exercice où on peut mettre très lourd. Voilà, il n'y avait pas de hack squat dans cette salle aussi, pas de bell squat, etc. Donc on a fait en fonction, il nous faut vraiment une salle avec un hack squat. Voilà, sinon on aurait pu faire une configuration un peu différente. Donc là, on a fait 3 séries de 12-15 reps à peu près. Morgan, lui, pendant ce temps, a fait du front squat parce que la brunette squat, ça aurait été bien trop léger pour lui. Et il est à l'aise sur du front squat, il recrute vraiment bien ses quadriceps. Donc il a fait du front squat guidé, 3 séries aussi. Ensuite, quand je parle de série, je parle de série effective. Ensuite, on est allé sur la presse à cuisse horizontale, très intéressante. Ici, une panata qu'on peut dissocier en unilatéral, mais là, on l'a fait en bilatéral. Elle est circulaire et elle permet une flexion de genou qui est plutôt intéressante. J'ai bien senti les quadriceps dessus. Petit bémol, la tension qui n'est pas très bonne à la fin. Il aurait fallu rajouter un élastique, mais là, on ne pouvait pas. Donc voilà, encore une fois, on testait la salle, donc c'est une séance un peu différente, mais c'était vraiment sympa. 3 séries là aussi, et pour finir, les mollets debout à la machine, très bonne machine, lourde, qui permet une amplitude continue, une amplitude complète, une machine qui permet une amplitude complète. C'était vraiment intéressant, flexion, extension, j'ai vraiment bien senti les mollets, et voilà pour cette séance. Donc quand on est 3, les temps de repos sont plus longs, c'est un peu plus difficile de s'entraîner, mais on a vraiment mis de l'intensité quand même, comme vous le voyez, je l'espère. Je ne vous ai pas mis toutes les séries complètes en entier. Pourquoi ? Parce que ce serait extrêmement long. Une série dure en moyenne une minute, vous voyez. Ça ferait 10 minutes de vidéo par exercice. On en a fait 5. Ça ferait des épisodes d'une heure et demie. Mais je vous ai donné le nombre de répétitions. Le tempo est toujours classique, c'est-à-dire que on contrôle la descente sans faire un tempo. On contrôle et on est explosif sur la montée.
On fait des respauses si besoin sur les dernières séries, sinon on est en tension continue. Pas de technique d'intensification hormis l'ajout d'élastique, sinon pas de technique d'intensification, pas d'isométrie, pas de dégressive, pas de double contraction, rien de tout ça. 3 séries effectives par mouvement en moyenne, 2 à 3 séries effectives. Voilà, toujours des séries de chauffe que vous ne voyez pas forcément, sauf où je vous ai filmé sur leg extension, mais à chaque exercice, il y a une ou deux séries de chauffe, voire plus sur le leg extension, et c'est le cas dans tous les entraînements. Pour arriver ensuite à la bonne charge de travail, être bien chaud. C'est un entraînement long qui prend du temps. On est resté 2h30 à la salle parce qu'on était 3 et on est morts tous les 3. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres séances comme ça, à plusieurs, si vous aimez ce type de format, eh bien n'hésitez pas à le dire. Demain, normalement, je m'entraîne le dos avec Seb. Je crois que Morgan ne le fait pas. Donc, je vous filmerai ça, séance dorsaux, toujours dans cette salle. Ça permettra de voir d'autres machines et d'autres techniques ensemble. Merci à tous et à demain.